Ouest. Tout d'abord, remercier tout le monde, mais tendre nos mains et dire à notre Khalif, notre marabout, notre grand frère, le Khalif de la famille Koïd Alpha, de prier pour la coalition Benno Boko Yakar. La famille de Koïd Alpha a toujours l'habitude de prier pour nous et elle a toujours prié pour nous et la suite était toujours des victoires successives et qui ont donné aujourd'hui le fait que à trois reprises nous sommes ici à la tête de cette commune de Moula. Aujourd'hui, vous, population de Moula, marabout, chef de village, conseillers municipaux, jeunes et vieux, vous êtes tous là, vous avez dit la même et une voix, vous avez choisi votre candidat pour les élections à venir, pour la coalition Benno Boko Yakar. Moi qui vous parle actuellement, Kouriba, l'actuel maire de la commune de Moula. Ce soir, vous m'avez justifié par les présentations que les jeunes ont fait ici, faisant que dans pas mal de domaines, vous avez vu que des réalisations incommensurables ont été faites. Et c'est pour cette raison que vous avez encore misé sur votre candidat, M. Kouriba, que je suis, pour qu'il vous présente lors des élections locales du 23 janvier 2022. J'accepte avec 10 mais ce soir. Mais je suis dans un parti organisé, dirigé par son excellence le président de la République, Alhaji Macky Sall. Vous avez montré ce que vous avez voulu faire, mais aussi écoutons le président de la République. Vous l'avez montré ce que vous avez voulu faire, mais écoutons le président de la République. Il a des oreilles qui sont longues, il entend partout, il a des services de renseignement, il y a la presse. Je pense que tous ceux qui sont venus ici, de manière incontestable, sauront que le candidat qui n'est pas avec ce groupe, il est d'avance battu. Donc, nous espérons qu'il va entériner ce choix. Ceci étant, je remercie tout le monde, surtout mes collègues maires qui sont venus d'ailleurs. Je veux nommer le maire de Yangyang, le premier adjoint du maire de Tchernie, maître Daoudeka, et toutes les délégations qui sont venues des communes qui sont aux alentours de Moula. Dire à tout le monde merci, mais aussi un dernier mot. Dire à cette opposition qui a abonné absent, ou bien perdant dans toutes les élections qui se sont déroulées, en tout cas ici à Moula, depuis que je suis là, leur dire que peut-être ils veulent répéter encore leur perte. C'est pourquoi ils veulent se positionner pour dire qu'ils sont des candidats. Mais le bâton qui leur avait écrasé la tête, il est là et il les attend. La fois dernière, on avait écrasé leur tête, mais cette fois-ci, ça sera la tête, les jambes, les pieds, les mains et partout. Ça sera la mort définitive de l'opposition dans cette commune de Moula.